demain, parce que... Bon, on va continuer le live comme ça, c'est pas grave. Allez, c'est reparti. Je vois que c'est pas tip top la résolution de la vidéo, donc je vais, on verra. On va essayer de faire au mieux, n'est-ce pas? Désolé pour la qualité, hein, si elle n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais il y a quelque chose qui ne veut pas fonctionner. Donc on verra. Ok, donc on continue. Alors, ça c'est quoi? Milieu défensif pour le moment. On va dire que ça va à peu près. Est-ce qu'on aurait tout intérêt? Non, on va pas. On n'en veut pas. Quelle termine d'observer Ndoutoum. Ndoutoum. Et Ndoutoum, c'est un buteur. C'est intéressant. On pourrait avoir un bon potentiel. On va continuer à l'observer parce que j'ai un doute. Superviser et ça. Et il aurait quelle place? Latéral gauche. À quel âge? 31 ans. À 31 ans, c'est trop vieux, mon gars.
Alors, wow, on voit qu'on maîtrise quand même la tactique ici, et si je passe sur l'autre. Pourquoi ça s'affiche en haut? Voilà. Petit bug, bizarre. Le tiki-taka. On va les laisser s'entraîner comme ça. On va peut-être faire ça la semaine suivante. On va les laisser là-dessus pour le moment. Et on fera ça la semaine suivante après le match de Limonest. On y va. Donc on arrive bientôt à la préparation du match en espérant que tout se passe bien. Il faut impérativement gagner. Parce que plus le temps passe et plus on va avoir des problèmes pour gagner la première place et espérer une montée. Oui. Alors. Qu'est-ce que me dit l'assistant? Un rapport sur l'Olympique lyonnais. Leur ciblé pour un prêt sera affiché au centre de recrutement. Comme demandé. Soit affiché en prêt, soit affiché au centre de recrutement. Latéral. Son poste, c'est latéral droit. Ce que je cherche. Et ça. Ça peut être intéressant. On va faire une offre.
Je sais pas si. C'est un défenseur central. Ça va pas du tout, ça. Quoique défenseur central a peut-être besoin d'un, mais pas maintenant, c'est pas primordial ça. Tacle, centre, décision, vitesse plutôt moyenne, endurance, ça va pas trop. Ouais, c'est pas terrible. Enfin, il vaut pas ce qu'il affiche. Donc ça m'intéresse pas trop. Lui. C'est pas terrible non plus, hein, c'est pas sans sas, hein. Je demande pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Il faudrait tout simplement défenseur central Bazaoui, oui. Bon, on va le superviser parce qu'il m'a l'air pas si mal que ça, même s'il avait 28 ans. C'est vraiment compliqué de trouver un défenseur droit. Hein. Comment ça, mi-temps sans contrat? Ouais, mais là, ça va pas le faire. Limite 350 euros par mois. Je suis pas sûr qu'il accepte, hein. Ah ouais, non, mais là. Bah ouais, ça, c'est pas possible, ça. Non, c'est vraiment pas possible, hein. Aïe. C'est étonnant pour ça, non, de sa part. Mbaye était plutôt performant, voilà. Bon, ça arrive à tout le monde. Et vraiment, hein, ça devient compliqué. Je sais pas quoi faire. Mais vraiment.
Alors, ben ça s'est amélioré dans cette partie-là. On va le laisser dans son placement naturel. Fernandez, on devait le faire débuter, qui sera chose faite. Allez, on va continuer. Consigne particulière. Alors là, par contre, être assez dur avec Serchimon pour être efficace. Peut-être. On va aller faire du pressing à lui, parce qu'il m'a l'air pas top de sa forme. Le faire jouer sur son mauvais pied. Marquage strict et un marquage strict sur les deux attaquants. Et là aussi, on va faire du pressing sur lui. Puis c'est tout. Ça très bien. Alors, voyons voir. Oups. Voilà. Alors, nous sommes en rouge déjà. Alors, un premier tir de Lucas Pellin. On a l'air d'être dans une bonne phase. Ouf, non, vas-y, oui, putain. Ah là là, le gardien me sauve. In extremis. Alors on est d'être assez créatif quand même parce que j'ai l'impression que c'est pas. Ça manque de. Très bien. Allez, allez, allez. On subit un peu là, c'est la fin de deuxième mi-temps. Vraiment subi. Monsieur fait des fautes dans la surface. Allez, allez. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Tac, alors il y en a qui n'aiment pas
trop ça. J'ai envie de dire tant pis pour eux, mais va falloir réagir quoi. De toute façon, j'étais obligé de faire un électrochoc. Parce que là, c'est pas possible quoi. Alors. Alors, voyons voir. Alors, Michel qui revient au centre. Ah, ça sent le tir. Dommage. Ça a pu être transformé. Voyons voir le corner. Allez, pas fini. Retente ta chance. Allez. Oh là là, c'est mal tiré. Fernandez, je vais le sortir. Non, c'est pas possible, je vais le sortir. J'ai Metazi qui est toujours assez bon. J'espère qu'il pourra m'apporter quelque chose. Et on va attendre un peu avant de voir si on doit rentrer un attaquant frais ou pas. Bah, ça se concrétise. Bon. Moi, ça me va bien. On va laisser faire le changement quand même. Voilà. Alors, par contre, va falloir rester concentré. Intéressant. Eh ben, celui qui vient de rentrer, Marc. C'est très bien. Comme quoi, que certains changements peuvent être indispensables, hein. Même quand on gagne. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui regardent le stream là, mais s'il y en a qui peuvent me dire si la qualité du stream est pas un peu naze en fait. Ah, penalty. On va pas se gêner, hein. Si on peut le mettre, tant mieux. Ouais, c'est très bien. Je dirais que c'est un bon match, finalement, puisque. Pardon. Puisque. Oh. Il fallait bien qu'il réagisse. Mais pardon, puisque en fait on avait fait un match assez décevant juste avant. Donc c'est une bonne façon de réagir, je dirais, pour la suite du championnat. Je vais en profiter pour faire rentrer mon attaque. À l'attaquant qui revient de blessure, ça lui permettra d'être pas sous pression. Ça sera pas plus mal dans un match, on va dire. Qui devrait être serein, quoi. Tout simplement. Trop serein au niveau de tout marquage, donc. Faire en sorte de hop
Alors, un corner. Donc là, si on concrétise, absolument pas. Eh ben, c'est magnifique. Un corner pour rien. Alors, attention aux arrêts de jeu. Allez, conserve ta balle. C'est bien joué. Voilà. Alors, faut pas qu'il joue au con non plus. Et Bouzy, j'ai toujours compté sur lui. Voilà, beau débordement. Hop, dommage. Joueur très important, Bouzy, hein, pour notre équipe. À chaque fois qu'il a joué un match, il a été déterminant. Hein, chaque match. Hein. Il n'y a pas un match où il n'a pas été. Hein. Ah, voilà. Ce que je dis se confirme. Sans lui, l'équipe a un autre visage. C'est assez impressionnant. Donc c'est bien et pas bien hein, dans un sens. Hein. C'est bien pour nous parce que l'équipe fonctionne bien, mais alors le jour où il est blessé, quoi, c'est une vraie catastrophe. Hein. Donc va falloir que je trouve quelqu'un. Oh là là, le gardien, dis donc, il assure. Quelqu'un pour que son absence se remarque pas trop quoi, sur le terrain finalement. Dommage. Alors, 4-1. C'est-à-dire que le résultat est bon. Bien joué les gars, c'est une belle victoire. Que ça a à dire? Hop. Donc, ce qui est important, c'est qu'on se retrouve à la deuxième place ex aequo. Milieu de saison. C'est très encourageant, je trouve. Avec 2 points. De différence, c'est-à-dire que finalement la seule différence qu'on a, avec le premier, c'est finalement on a fait un match nul d'avoir fait une victoire, donc ça se joue à très peu de choses, hein, donc allez, on va continuer. On va essayer de faire ça. Par contre, la porte là. Allez, et félicitations pour Bati.
Alors, on n'a pas de match la semaine prochaine. Donc, ce qui serait bien de faire, finalement, c'est au lieu de faire un entraînement de match le jeudi, ici, ça serait pas mal de faire autre chose, hein, tout simplement. Et j'avais dit que je changerais la tactique pour qu'ils puissent faire qu'ils connaissent la deuxième tactique. Ça serait vraiment bien. Latéral, Mbimba. Donc Mbimba, qu'est-ce qu'il donne Mbimba? Au niveau physique, il est vrai. Il a l'air d'être assez costaud. Il n'y a que l'endurance, mais bon, ça l'endurance, on peut le faire monter, c'est pas un souci. Défenseur droit. Pardon? T'as pas repris sous le maillot d'Aurillac Arpajon, qui est. Il est libre de tout contrat. De toute façon, je pense qu'il sera au-dessus de notre joueur Vincent là, même s'il a fait un bon match, un très bon match. Le dernier match qu'on a fait là. Je pense qu'on va même pas le superviser. On va lui proposer un contrat direct. Sur le long terme, veut constater les progrès concernant les ambitions du club sur le long terme. Montée en National 2. Oh bah ça va de soi. Ça va de soi. Hop. Quitter. Très bien. Hop, ça c'est fini. Ici, c'est bon. On va changer la tactique pour faire celle-ci. À négocier un contrat. Ah, putain. C'est vraiment un problème ça. Faut que je demande au dirigeant s'il peut pas augmenter les. Attirer des joueurs plus réputés. Ouais, ça serait. Est-ce que c'est possible? Je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite. Sunlight so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried.
goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes. Me voilà de retour. Feeling the sunshine once again. Voilà. Alors. Alors, il me dit qu'il n'est pas convaincu que l'effectif ait besoin d'être renforcé. Nous avons d'excellents joueurs dans l'équipe que vous devriez pouvoir atteindre vos objectifs avec le groupe à votre disposition. Oui et non. Je pensais que nous partageons mes idées concernant l'avenir du club. J'estime que la réputation du club bénéficierait énormément de l'arrivée de quelques joueurs de prestige. Je te demande, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, bon. Ça va pas être possible, quoi. C'est. Je sais pas comment faire, mais. C'est impossible quoi. Ouais, je comprends hein, que il souhaite un. C'est vraiment terrible. Qu'est-ce que je peux faire?
Je tente 3 ans. C'est un 2900. Ouais, non. Ça va pas le faire du tout. Mais du tout, du tout. Tanguy joue que d'un pied. Ça aurait une bonne recrue. Je vais tenter ce gars. Parce que je ne vois pas d'autre solution dans l'immédiat. Il va rien me coûter. Dès que possible, 2 janvier. Sachant qu'on est au mois de décembre. Mais c'est pas possible! Ah, ça va me rendre fou, cette recherche de joueurs là. Allez, on va espérer avoir les rapports pas trop tard. On peut pas se le payer. Du moment où ils ont un club, c'est impossible pour nous.
Ça m'ennuie un peu cette qualité d'image aussi hein, sur le stream. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire hein, si la qualité est vraiment naze. Entraîneur, on verra ça plus tard. Allez. Au niveau des entraînements. Non, c'était pas ça. Bon, le jeu offensif, ça a l'air d'aller. On va peut-être faire la tactique. Jeu offensif sans ballon ou jeu défensif sans ballon? Alors, on va faire jeu défensif sans ballon. Histoire de... Oh là là. Allez. Bah demain, je regarderai cette qualité d'image parce que là, ça m'embête. Cette qualité. Je comprends pas pourquoi. Il m'embête avec ça. C'est-à-dire que j'ai une résolution qui. Je fixe la résolution, mais il la change. Donc je ne sais pas pourquoi. C'est assez incroyable. Alors, Fernandez mécontent, il se fout de ma gueule ou quoi? Je l'ai fait jouer. Vous aviez promis, il se posera désormais la question. Ouh là 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 là. Mais ma patience a des limites. Ouais, bah ça va bien, oui. Il me semble que je l'ai fait jouer assez de temps, non? Oh, c'est quand même terrible. On peut pas tous les faire jouer.
Combien il vaut d'ailleurs ce joueur? Parce qu'il est pas si mauvais, hein, mis à part qu'il a 29 ans. 1600 par mois. C'est un peu cher. Bon, on verra bien. Mais dans tous les cas, s'il veut se barrer, il peut se barrer, hein. Alors, oh là là, dégagé. Et alors, va falloir que je repositionne ma tactique de base au niveau des entraînements. Alors, je sais pas si ça a été efficace. Ça, c'est pas très bon. Quand c'est en dessous de 6, hein, c'est vraiment guitare.
Autre tactique. On va rechanger. Ici. Il y a moyen que ça monte. Mais. Ils sont tous à peu près satisfaits de l'entraînement, hein, donc après on verra bien. Alors, manque de rythme, ok. Ok, de rester, donc ça, bah, c'est lui qui voit. C'est pas à moi de dire ce qu'il doit faire. Allez. Hop, c'est parti. Tac, 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 tac. Pierre Jamin a joué sur son mauvais pied. À tout le monde, il faut qu'il sente auto-présente. N'hésitez pas sur l'attaque dès le début. Ok. Hop. Alors, ensuite, ça, c'est ok, c'est ok, c'est ok. On va pouvoir préparer le match. Par contre, on va peut-être faire jouer. Bouzy en premier parce qu'on a déjà fait assez d'efforts avec Fernandez là. En plus, si j'ai bien compris, ça ne lui convient toujours pas. Irrégulière. Il va falloir faire une belle série de matchs gagnés, ça serait très important. Alors, Fernandez, on va le changer avec Bouzy. Ça c'est bon. Est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre Nantas en attaquant? Peut-être pas. Tac tac tac. Oui, bon bah on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Aïe, vestiaire. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Voilà. Alors, c'est pas la peine de lui parler, il est déjà assez confiance. Confiant, pardon. Ensuite, Pierre Jamin. Pierre Jamin, on peut faire pas mal de pressing. Lui, on va le faire jouer sur son mauvais pied. D'après ce que je vois, c'est pas la top forme sur tous les joueurs. Donc ça, c'est intéressant. Allez, c'est parti.
Nous sommes en bleu, hein, bien sûr. Le chasseur s'est repoussé. Michel, mets la pression. Bon travail. Ça permet de casser l'enchaînement. Vincent repousse de la tête. Ou poteau. C'est pas évident, hein. Le jeu court. Je pense qu'un jeu court peut être bénéfique dans notre cas. Allez, on fait tourner un peu. Ah, bien joué, Mbaye. Une bonne frappe, ça. Je sais pas si on peut pas mettre le son du jeu là. Alors, ça mettra un peu d'animation parce que c'est un peu monotone, je trouve, le jeu, vraiment sans son. Faudrait vraiment que je me fasse peut-être une playlist de musique. Sans droit, bien sûr. Oh! Non, celle-là, je l'ai pas vu venir. Je savais qu'il marquerait, lui. Ah, il marque juste avant la fin de la seconde période. De la première période. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, voilà. Les défenseurs sont plutôt pas mal. Vas-y. Et allez, on va laisser comme ça, c'est très bien. Allez, c'est parti. Va leur dire de montrer un petit peu de caractère. Ça c'est bien, bonne récupération, Amirou. Michel qui prolonge sur Mbaye. Mbaye qui continue, Amirou, centre, but de Pellin. Très bien. Très beau but. Allez, on peut continuer. Pour l'instant, ils sont encore frais. Par contre, je vois Bati qui est pas très très bon. On va essayer de mettre
Malé ici, à la place de Bati. Vraiment histoire de remplacer parce que je le sens pas Bati là. Au vu de sa note, j'ai pas l'impression qu'il fasse un bon match. Donc on va le retirer, ça serait mieux. Ça serait préférable. On a durci un petit peu les tacles sur alors jamais par contre ça c'est pas bon ça ouf ah, aïe, 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 aïe. On se met pas dans de bonnes conditions là. Allez, est-ce qu'il va nous la sortir? Eh ben pas du tout. Que je le sors, je pense qu'elle peut sortir. Je vais sortir Kayombo pour le remplacer par Proust. En fait, bien mon Proust, histoire qu'il spawn pas un deuxième jaune, ça serait dommage. Allez. C'est parti. Allez, on serre les rangs. On va peut-être baisser l'offensive en équilibré. Parce que je le sens pas trop. On va essayer de retenir un petit peu nos attaques. Passe complètement à travers. Très bien pour nous, puisqu'on gagne le match 3 à 2, c'est ce qui n'était pas gagné d'avance. Oh, c'est très bon pour nous, ça. On peut le féliciter, il a été vraiment excellent, là. Il a marqué quand il fallait. Ça, là-dessus, je peux rien dire. Donc on est toujours deuxième, j'ai l'impression. On va voir le classement après.
Alors, championnat en détail. On est toujours à 2 points. Ah, c'est vraiment dommage parce qu'ils ont perdu un match. D'accord. Bon. Petite pause pour moi, je reviens. À tout de suite.
Voilà. Ah. Alors, me voilà de retour. Deux petites secondes. Alors, voilà. Alors, reprenons. Donc, on avait fait un bon match. Par contre, tir ne lâche rien, bien sûr. Je sais pas comment ça va se passer, mais. On a match quand d'ailleurs? Parce que j'ai l'impression qu'en fait on n'a pas de match avant 3 semaines. Donc si on n'a pas de match avant 3 semaines, ça serait pas mal de faire un match amical. Parce qu'on peut pas rester sans rien faire pendant trop longtemps. Hein. Au niveau du calendrier. On en est là, le 22. On a un match le 5 janvier. Bon, finalement, c'est pas si mal que ça. 5 janvier, c'est dans une dizaine de jours, donc ça devrait aller. Le club a une difficulté financière. Pouh. Ouais, mais sans lui, on fait rien. Donc, vous êtes bien gentil, mais Michel en attente pour négocier une prolongation. Potentiellement, contrat actuel 1800. On va lui faire baisser son salaire, ce qui est pas plus mal pour nous finalement. Moi, ça, je veux bien. On va gagner 200 euros par mois pour un club de National 3. Ce n'est pas négligeable.
Ensuite. Prolongation. Voilà. Ensuite, ce qui serait pas mal, super, parle de l'âge, il me paraissait plutôt pas mal lui. Mais bon. On va les garder comme ça. C'était quoi que je voulais faire? C'était potentiellement revoir les contrats 1700. Et t'as 1700. Alors si je lui propose un nouveau contrat. On va tout baisser. Ah, j'ai gagné 100 euros. Je lui fais baisser son salaire. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez content du résultat. Quitter en espérant qu'il accepte ça. Par contre, 700 euros. Combien il gagne par mois, lui? Ah bah si, ça fait deux fois là. Les finances au niveau des salaires. Dépenses prévues. Ouais, je vois qu'on baisse au niveau des dépenses prévues pour les salaires. Donc c'est plutôt pas mal. Bon après faut pas s'innobuler, enfin si. Oh là, prêtez attention, pardon. Prêtez trop d'attention, voilà ce que je veux dire. Prêtez trop d'attention au salaire. Hein. C'est pas ce qui fait le club hein, non plus. Hein. Mais si on peut économiser un peu, là, surtout sur les petits clubs comme ça.
1900 sans salaire. Donc là, on est à 1007, je pense que c'est pas mal. On aurait économisé 200 euros par mois. C'est bien. Allez, c'est parti. Ah, celui-ci est intéressant. Celui-ci, je peux lui proposer un contrat. €30 000, voilà. Alors, faut après accepter pour ça. Ah là là, c'est long, c'est long, c'est long. Défenseur central. Et en transfert français, ok, voilà. Allez, on y va.
Alors, Bouzy se voit récompensé pour sa bonne forme actuelle. Oui, effectivement, mais avec un salaire moindre. Donc c'est quand même plus sympa. Et c'est surtout que je vais pouvoir, au niveau des finances, voilà, dépenses prévues. Voilà, on va pouvoir en fait baisser les dépenses prévues, donc ça c'est plutôt sympa. Et je vais pouvoir essayer d'acheter certains joueurs. Parce que j'étais limité à 350 euros de salaire par mois, donc c'est un peu compliqué de trouver un bon joueur pour ce prix-là, quoi. Alors, on est toujours à 60%, donc c'est assez solide. C'est pas non plus extraordinaire, mais bon. Ok. Parfait. Confirmation. Ok, bah c'est très bien. Il m'en fallait un de toute façon, parce qu'on a... on peut être en peine à ce niveau-là. Ok. Tac, c'est parti. Nouveau contrat pour Bati aussi, qui avant avait un salaire un peu trop haut. On a pu gagner 200 euros aussi. Si c'est la conférence de presse, oui. Voilà. Alors, ils traquent 13e, ils sont avant-dernier du championnat, donc il est vraiment impératif pour nous de gagner. Mais et là, on est sur du gardien de but. Il peut être intéressant celui-ci, mais bon. Vingt et un ans. Je vais peut-être lui proposer un contrat jeune. Ça serait pas mal. Prime de match. Pas exagéré quand même. Finaliser, quitter. Ok. C'est bien, on a recruté un jeune gardien. C'est plutôt pas mal. En contrat espoir, donc c'est-à-dire. Pour rien. C'est des contrats avec prime uniquement. Ok. On est plutôt favorable au niveau des cotes, mais bon, je me méfie toujours de ça. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Dans les 30 mètres, profiter des espaces dans ce match pour tenter des ouvertures. Ok.
Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais regarder au niveau tactiquement. On va le faire après, que sinon ça va changer ma tactique de base. Alors voilà. Alors, plutôt orienté attaque. Hein. Dans les espaces, c'est bon. Par contre. Oui. Allez. Allez, petit gars. Un premier tir essayé.
Allez, ça on va le surveiller. Attention, hein. Alors, on va leur dire de continuer, hein. Ça a rien de plus loin. Les seules occasions qu'ils ont, c'est sur des coups arrêtés. Là, juste à pas trop en faire de faute. Allez, 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 allez. Faites-moi le pressing qu'il faut là. Voilà. Oh là là, magnifique. Encore une reprise. On peut faire de mieux. Quelqu'un de trop sûr de lui, moi ça me convient pas. C'était tenté. Dommage. Regardez ce qu'on peut changer. Bâti, je vais remplacer par lui. Potentiellement, on va faire comme ça. Je pense que ça sera pas mal. Et je pense que je vais arrêter là pour le stream. Attention à la contre-attaque. Attention au pressing. Pressing, pressing. Occasion de déchet. C'est très bien pour nous. Thank you.
Alors, encore une autre victoire. On peut dire que c'est une victoire facile. Alors, bon, je pense que je vais arrêter là. Je vais stopper ici. Attends, je vais stopper un lundi. Ça sera plus la même. J'espère que j'aurai résolu ce problème de qualité d'image. Allez, sauvegarder la partie. Bon, alors demain je vais essayer de régler le problème de qualité d'image parce que là elle n'a pas l'air d'être exceptionnelle. Je me demande si c'est pas à cause de ça d'ailleurs que les gens ne restent pas forcément. Et c'est vrai qu'après avoir vu le stream, ça n'a pas l'air d'être exceptionnel, donc je vais essayer de le régler demain dans la journée. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et merci d'avoir suivi mon stream. À bientôt.